Depuis plus de 30 ans, les experts de TreatLab sillonnent la France et le monde pour aider les équipes opérationnelles et commerciales de Suez à identifier les meilleures solutions de traitement pour produire de l'eau potable. Avec environ 100 missions réalisées par an, l'équipe allie des connaissances scientifiques de recherche et une forte expérience de terrain pour répondre aux besoins spécifiques de chaque site. Dans un contexte d'évolution de la qualité des ressources et des attentes des clients, l'équipe identifie des solutions innovantes, notamment sur les choix des réactifs et la stratégie d'ajustement en temps réel des doses. Un hall pilote et une plateforme d'outils d'essai laboratoire permet d'étudier la coagulation pour éliminer des particules visibles et la matière organique, la filtration sur une diversité de médias, l'adsorption pour cibler des composés organiques spécifiques comme les micropolluants et les pesticides, et la désinfection avec des oxydants comme l'ozone ou le chlore pour inactiver les micro-organismes qui pourraient échapper au traitement physique. Sans oublier les traitements pour le fer, le manganèse, l'arsenic ou l'équilibre calcocarbonique qui permet d'éviter la formation de dépôts calcaires et la corrosion en distribution. Finalement, des équipements spécifiques sont dédiés au traitement des boues qui doivent être conditionnés, épaissis et déshydratés. L'objectif est bien de connaître chaque traitement, mais surtout la complémentarité et la compatibilité entre eux. C'est une grande responsabilité d'orienter les décisions nécessaires pour assurer la conformité avec la réglementation et la satisfaction des clients. L'équipe de TreatLab, composée d'une dizaine de personnes, s'appuie sur des outils de modélisation, la documentation scientifique et une richesse de données sur une grande variété de matrices d'eau. Et comme dit la tradition, entre les experts de Suez, c'est avant tout l'eau qui décide et les outils d'expertise restent indispensables pour comprendre le comportement de chaque ressource.